Ravie de vous retrouver pour une recette de courgettes gratinées à la mozzarella. Pour faire cette recette, il vous faut des courgettes. Vous les avez coupées maintenant dans votre plat à gratin. Il vous faut du chorizo. Il vous faut un petit bouillon de légumes. Il vous faut de la mozzarella et des petites tomates. Une petite échalote, une petite gousse d'ail et un peu de persil plat. On va commencer par les courgettes. Vous allez prendre votre couteau économe et vous allez rouler. Ça vous creuse votre courgette. On va sortir nos courgettes de notre plat à gratin. On sait qu'on a la bonne quantité. On va huiler notre plat à gratin. On va mettre notre bouillon de légumes. Notre four est allumé thermostat 6. Il est en préchauffe. On va presser notre petit morceau d'ail. Vous allez remettre vos courgettes dans votre plat, comme ça. On va prendre notre échalote, on va l'émincer. Et on va mettre ça tout autour dans notre petit jus. Ça lui donnera encore un petit peu plus de goût. On va ajouter un petit peu de gros sel dans le fond des courgettes. Voilà. Vous prenez votre chorizo, des rondelles fines que vous allez donc superposer. Et vous me coupez ce chorizo en quatre. Voilà. Tout comme la mozzarella. Donc on va couper ces rondelles en quatre. Et on va essayer de faire un petit millefeuille qu'on va poser sur la courgette. Donc, un morceau de chorizo, un morceau de mozzarella, un morceau de chorizo, etc., etc., etc. Voilà. Et voilà, première partie terminée. Nous allons donc maintenant mettre, comme d'habitude, un petit peu de gros sel sur notre préparation. Nous allons prendre une cuillère et on va mettre au-dessus notre petite tomate concassée qu'on va essayer de faire tenir tout au-dessus de ça. Voilà. On va garder notre persil plat pour la décoration finale. On va enfourner notre plat dans un four, je vous le rappelle, thermostat 6, qui a été préchauffé. Et me voilà partie pour un quart d'heure. Alors, nous allons prendre nos courgettes délicatement. Faites attention de ne pas vous brûler et de ne pas les renverser. On va piquer nos petits mâts sur nos petites barquettes. Un petit peu de persil. Et je pense que vous êtes d'accord pour que nous passions à table.